Non, c'est bon. Merci et bonne journée, de rien. Pam, pam, pam. La 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 la. Yo fifou 6 5 4 0 0. Faudrait pouvoir payer une hôtesse pour qu'elle suive et soigne tes Pokémon. Ouais c'est ça quoi, putain de merde de merde quoi. La partie que j'ai toujours pas vu c'est la... Comment ça s'appelle encore ça, la pension Pokémon en fait. Je l'ai pas encore vu celle-là. Enfin d'ailleurs je suis comme mon troisième badge aussi. Je vais à peine avoir mon troisième badge quoi. D'un côté c'est un peu normal. Ouh c'est un Pokémon de glace ça non? Si je me trompe pas c'est un Pokémon de glace, je risque d'avoir mal. Où ça meurt. Ah moi je déconne pas avec ça. C'est bon quoi. Voilà, vous utilisez Walmeir encore, la grosse baleine. Faire une attaque comme ça et puis je vais faire un... Quoique... Ça va bien et toi, fifou? Ça va encore me faire je sais pas combien d'épisodes sur la chaîne YouTube de ce truc là, c'est génial. Voilà, Volvinormand, il l'a battu sur ce combat là. Voilà, le Welmer ennemi est battu. Carvana, Carvana qui est encore un Pokémon. Oh, c'est génial! De l'XP tranquille pour un Pokémon. Enfin, pour ce Pokémon là, du moins. Parce que les autres, bon, ils XP pas en attendant. Enfin, à part un. Machouille, crac, crac, voilà. Chameir, il m'a fait un coup critique. Ça fait mal ça. Heureusement que Masco est rapide. Donc faudra pas que j'hésite alors au prochain combat. Ça de mettre directement le méga sensu. T'affrontes tes marins, logique des Pokémon. Bah oui c'est logique, ça c'est encore logique ça. Ça par contre ça devient tout de suite moins logique. Pokémon de type combat. Mais sa mère avec ses. Oh yeah! Fifou 6-1-4-0-0, c'est pour la lâcher, merci pour le follow. Putain. On est marre de me taper des screamers à chaque fois. D'accord. Faudrait que je pense que ça diminue le son de ce truc là parce qu'en fait ça me fait toujours stresser à mort. Et c'est pas bon pour mon petit cœur. Il va utiliser Steros, donc oui on va changer hein. Pourquoi j'y vais pas. Encore un screamer, allez, c'est ça. C'est un screamer auditif en fait, je me tape des screamers auditifs en jouant. C'est horrible. Non mais non. Le seul moment où le Pokémon n'aurait pas dû attaquer avant moi, il attaque avant moi. Ça va être chaud je crois. À moins que je le mette dans le rouge là avec ce coup là. Toutes mes excuses. Mais y'a pas d'excuses, c'est moi qui a fait l'erreur de mettre ce son là trop fort. Pistolet à eau, nanana, ça va pas le faire. Ça va pas le faire, à moins que je fasse un coup critique. Fais-moi un coup critique, allez s'il te plaît, fais-moi un coup critique, ça fait longtemps que t'en as plus fait. Bon, c'est pas très efficace, mais tu l'as quand même niqué. Bon, les motos niveau 25. Ouh. Bon, il est pas bientôt là, s'il vous plaît.
Lucas, bonjour. Bien, Dylan, je vais retourner à mon arène. Viens te battre sur ton bois si tu penses que tu peux avoir mon badge. T'es sûr? Je suis monté tout en haut parce qu'on m'a demandé d'aller lui causer. Tout ça pour me dire, viens me rencontrer à la, viens me rencontrer dans mon arène, on va se battre. Connard! C'est l'histoire d'une courgette qui court et qui jette. Bonne chance, Flo, alors. Parce que je sais même pas qui c'est, mais tu m'as demandé de te souhaiter bonne chance, donc je te souhaite bonne chance, en fait. Ah, boss, d'accord, un boss. Dou 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 dou. Bonne chance. Merci d'avoir attendu, vos Pokémon sont totalement soignés. Ouais, bah non, je vais sauvegarder surtout. Regarde, ça fait déjà 8 heures que je joue à cette version de Pokémon, quoi. 8 heures de jeu, j'ai que 2 badges, quoi, please. L'habitude d'un Pokémon à 8 heures de jeu, bah j'ai les 8 badges, quoi. Contre toi, c'est bien, mais. Où est cette arène en fait? Là? De toute façon, j'ai pas le choix d'activer les trucs devant les dresseurs. Pokémon Glace, non, ça je détruis tout de suite avec une giga sangsue. Trop dangereux ça, directement j'attaque sangsue. Hein. Merci. Si c'est un Pokémon glace et un peu contre un Pokémon. Un Pokémon glace contre un Pokémon plante. J'ai besoin de faire un dessin de qui va gagner quoi. Voilà, Mustebou. Et niveau 25. Bah. Pas de soucis. Voilà. Boum, deux fois en plus. Directement dans les dents. Entre les deux yeux, là, ici, juste ici. Tritrosaur, connais pas ce Pokémon là par contre. Pokémon O. Oh, c'est lui. Oui, je le connais alors, Tritrosaur, mais. Ce Pokémon ne m'a tellement pas choqué qu'en fait j'ai pas retenu son nom quoi. Voilà, il a plus d'énergie, c'est cool. Hop, combat réussi. Je sais pas si je devrais lui prendre et le donner à Tordo en fait. Voilà. Comme ça au moins je veux dire mon Carabaf va prendre des niveaux aussi. Faudrait... Bon, il faut que je fasse monter en niveau mon... Mon Pokémon. Poissiren. Ah ouais d'accord, il augmente sa défense fait comme ça. Tiens, comme ça. Voilà. Ah, il te reste plus grand chose, pas sirène. Coup de corne. Aïe, ça va faire mal ça. Oh non, en fait. Je croyais que ça allait faire plus mal que ça. Mais que dalle, en fait. Walmer, ok. Donc, Walmer, on va faire une attaque normale. Un Volvi normal. Et un gros Volvi. Enfin quoi qu'en fait, je vais peut-être juste lui faire des Volvi à lui. Wow, je pense que ça va être bon que des Volvi. C'est les mains dans les poches normalement.
Ouais, il va me faire roulade. Non, non, étonnement. Moi, je fais Volvi. Et là, normalement, il est KO. C'est pas possible, quoi. Mais je les compte plus, le nombre de combats où jusqu'à la fin, le combattant en face, il a plus qu'à autant de points de vie, quoi. Voilà. Welmer encore. Merde, je disais poursuite, quel con. Au moins ça va, c'est super efficace, sachant que ça dit, donc c'est plutôt cool. Le problème, c'est que là, il va utiliser de plus en plus l'attaque roulade, ça va me faire de plus en plus de dégâts. Bon, bah, je vais faire un coup critique en fait, donc pas besoin. Plantux niveau 28, ok. Asnord dur devient. Ça ne. Quoi, attends. Ça en devient dur. Ça veut rien dire. Ça en devient dur. C'est pas plutôt ça devient dur tout court. Les gens qui sont tout dans le chat, c'est tout à l'envers, c'est génial. Et parce que, comme d'habitude, ça sera retranscrit sur la chaîne YouTube. Hein. Comme tous les épisodes de Pokémon en fait. Il va y avoir 30 épisodes de Pokémon déjà de près, c'est génial. Le combat devient dur. Le combat en devient dur. Ouais, mais t'as oublié le combat en fait, c'est génial. Un plouf, a perdu son énergie. Hop, Giga Sensu. Tu peux dire mon pseudo, s'il te plaît, t'auras un bisou. Chamallow. Bah, je l'ai déjà dit tantôt, hein, en disant bonjour Chamallow. Mais je suis pas d'accord pour le bisou. J'aime pas. Y aurait une belle fille qui me dirait ça, je dirais pas non. Voilà, allez, GG Flo. Moi, aussi normal, je l'ai buté. Voilà, Crocodile, t'es mort. T'es mort. La mort. La mort. La muerta. Voilà, tu m'as surpris avec tes jolies techniques. Par contre, je suis pas dans le sens à faire le léchu. Hein? Chamallow. Ouais, par contre, là, ça va être. Je sais pas si j'aurai assez pour battre ce mec là. On va tenter, écoutez, au point où on en est. Et qui te dit que je suis pas un beau mec-fille? Mec, c'est pareil. Quoi? Un beau mec-fille? C'est extrêmement bizarre ça. Déjà que sur Facebook, il y a plein de filles qui sont passées. Enfin, il y a plein de mecs qui sont passés pour des filles, alors là. Faut que je fasse poursuite et après je vais faire une autre attaque. C'est pas très efficace, effectivement. La vitesse. Je perds de la vitesse, d'accord. Mais une portugaise, pas une portugaise. Faut jusqu'à la riz. Poilu jusqu'à l'arrêt du cul. Poilu jusque voilà. Le Chamallow doit être brésilienne. Ah, l'enculé avec ses grisons là, con putain.